tout le monde sait que brûler de l'huile, c'est dangereux, hein, parce qu'il y a émission des métaux lourds. Non seulement l'émission des métaux lourds, ça fait beaucoup de fumée et tout ça. Et la technique de la pyrolyse, c'était la meilleure des techniques qu'il fallait, parce qu'en fait, dans la pyrolyse, on ne brûle pas de l'huile. On amène l'huile à une certaine température, et à la limite, quand on amène l'huile à une certaine température, les gaz sont dégagés et ces gaz sont directement brûlés. Et c'est la même technique qui est utilisée pour produire que ce soit du gaz butane que nous avons dans nos ménages. Mais sauf que c'est à petite échelle et nous ne stockons pas, nous ne refroidissons pas en le mettant sous pression. Donc une fois qu'il est produit, il est directement brûlé. Il ne s'agit pas seulement de travailler avec l'huile. On travaille avec tout type d'huile, y compris l'huile de palme, l'huile de palmiste, l'huile des amandes de palmiste. Tout type d'huile est gazifiée dans ce foyer et s'est transformée en gaz. En fait, le gaz butane, c'est un gaz qui est obtenu par des déchets fossiles. C'est-à-dire qu'on peut avoir du gaz à partir du pétrole brut, comme on peut avoir des réserves de gaz dans le sous-sol à partir d'un gisement, c'est-à-dire du gaz. Je produis la même chose, c'est-à-dire ce que je vous ai dit, c'est que je porte l'huile à une certaine température. Effectivement, je dégage tous ces gaz qui sont contenus dans l'huile, c'est-à-dire le butane, le méthane, l'hydrogène, le dioxyde de carbone, le monoxyde et tous les autres gaz qui sont produits de la même façon que le gaz butane est produit. Mais sauf que je ne le stocke pas, mais il est directement brûlé. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus sécurisant à deux titres. Ça veut dire que le gaz qui est mis sous pression peut exploser, alors que le mien ne peut pas exploser. Donc ça veut dire que ça peut être manipulé par tout le monde. Les enfants et autres peuvent l'utiliser sans aucun risque d'incendie.